لك انواع سلام خاص من المحيط للصحراء من الصويره الناس ديال الحميد والناس ديال هذا الفيستيفال في الحقيقه ما انا نمت سوي سون بارول في فيت ما عرفتش ما نقول فريمون سي تري فور سي بيان سي كول سا سي لو ماروك كون فريمون ريف دو لافوار كوا بارك الله عليكم معنا وحضروا معنا tout le monde, on s'appelle Gabacho Maroc. On a un groupe de world music, tendance un petit peu jazzy, mais surtout world. Et on est un groupe de 7 personnes en fait. Et là on est tout en bas du Maroc et on est au festival Taragalt. Et on est super content d'être invité à ce festival. Il y a une atmosphère assez unique, très lente. On se pose dans le sable peu à peu. On a joué hier soir et on a présenté quelques morceaux de notre nouvel album. Tawassol qui sortira en janvier 2018. Et pour ma part, je suis Vincent, le fondateur, manager et batteur du groupe. Et je vais passer la main à mon grand ami Hamid, le chanteur. Gabacho, c'est une fusion de musique, de culture. C'est un groupe que vraiment j'ai eu la chance de rencontrer ces musiciens après le premier album qui était Bissara. Là, on attend le deuxième bébé du groupe Tawassol, qui ça veut dire connexion. Ces histoires sont des histoires actuelles, sociales. C'est pour sensibiliser. Il y a des textes qui parlaient par exemple à l'encouragement des gens à aimer de plus la paix et essayer de faire gaffe avant de dire oui à la guerre et d'inciter la paix. Je suis Aziz Aflak, je suis le dernier à rejoindre la formation Gabacho Maroc. D'abord, la passion pour la musique et les musiques, la diversité des personnalités humaines, mais aussi avec tout leur bagage artistique. Il y en a qui viennent du monde du jazz, qui ont fait des écoles de jazz, d'autres qui ont plus la tradition orale, que ce soit africaine ou marocaine. Donc je pense que c'est aussi un petit peu la puissance de ce groupe, parce que c'est juste une énergie et aussi visuellement c'est un vivre ensemble parce qu'on vient tous d'univers différents, voilà, peut-être de religions différentes, de pensées différentes, et c'est aussi quelque chose qui nous lie et c'est un message en fait assez humain pour dire que tout est possible quand on se met à avoir un dénominateur commun qui est la culture et la musique, voilà. J'ai quitté une formation qui tournait très bien en France, puis en quittant cette formation, j'ai eu le désir de monter mon propre groupe pour la première fois. J'avais l'âge, les médailles suffisantes, et je pouvais un petit peu concevoir des choses, je pense. Et puis j'ai monté un groupe de jazz avec des musiciens d'un conservatoire, on était étudiants. Et on a tourné comme ça pendant 2 ans et on s'est appelé Gabacho Connexion. En fait, Gabacho, c'est un nom péjoratif qu'on donne aux Français au nord de l'Espagne. Comme on joue beaucoup en Espagne, on s'appelait Gabacho, c'était marrant en fait. C'était comme, ça veut dire un peu dire sale français, un truc comme ça, mais les Espagnols le prenaient vachement bien. J'ai un coloc là, un Espagnol justement, de Séville, qui me dit un jour, je pars au Maroc, je vais au festival des Saouirès, tu veux venir avec moi. Et moi, j'ai jamais mis les pieds là-bas, et bon, j'ai pris une grosse claque, et j'ai proposé aux musiciens avec qui on jouait en fait, au Gabachos, donc je leur ai dit, est-ce que ça vous dirait de qu'on fusionne avec des musiciens marocains, parce que vraiment cette musique est chouette. Ils ont joué le jeu et puis on a commencé à ramener des disques du pays. L'exotisme, la richesse des rythmes, la profondeur de la musique, le peu d'instruments qui jouent quelque chose de très profond des fois, alors que nous on peut des fois être habitué à plein d'instruments qui jouent des fois des trucs assez vides, et notamment la radio.
Et donc les chants, les chœurs, tout ça, on était vraiment très très attiré par ça. Et on est parti et on a changé le nom du groupe Gabacho Maroc. Et donc on est devenu un groupe de world music à part entière où on a commencé à faire danser les gens, on a élagué un peu les côtés jazzy compliqués tout ça du groupe. Et on a gardé juste une sorte de substrat d'élégance en fait qui vient un petit peu être le sucre glace sur un gâteau de world music qui est festif, trance, qui parle des musiques du Maroc en fusion avec le gnawa, avec la musique africaine, avec l'afrobeat, avec un peu le reggae, tout ça. Et c'est vraiment les musiques du Maroc au centre du projet, quoi. Et beaucoup de chants, beaucoup de cordes, quelques pointes de sax, beaucoup de percussions. C'est voilà un petit peu l'histoire du groupe, quoi. Le premier album, on avait monté nous-mêmes un label qui s'appelait Label Wed et on avait fonctionné comme ça, on voulait s'autoproduire, on voulait goûter un petit peu à ça. Pour le deuxième, là, on est signé par Crystal Records et on est distribué par Sony, donc c'est une nouvelle étape. Gabacho Maroc tourne environ dans 6-7 pays par an, quoi. Les tournées internationales en gros qu'on a, c'est ça. Ça fait quand même pas mal de voyages, pas mal de choses organisées, pas mal de trucs à mettre en place et... Donc c'est une sacrée logistique. On a encore 2 ou 3 morceaux à monter pour vraiment être top au niveau du live. Et puis à chaque disque, on apprend des choses en fait. C'est à la fois des épreuves, à la fois un peu des thérapies, à la fois des exutoires. Le disque sort en janvier, mais on s'est dit là un peu tous, on va déjà commencer bientôt le prochain disque, quoi. Ça va être un sacré projet d'essayer de commencer, on va dire, 1 an et demi ou 2 ans à l'avance, un disque qui sortirait dans 4 ans, quoi. Donc je pense qu'on va passer encore plus de temps sur le prochain album. Et on pense déjà à aller vers d'autres territoires, d'autres sonorités. Je pense que ça va être assez grisant, quoi. Voilà, un peu le projet du groupe. Tourner, préparer le prochain album et organiser tout ça. Voilà, les 3 directions, quoi. On sort jamais indemne de ce festival. Tous les gens qui viennent ici, ils partent avec une carte postale gravée, de la chaleur dans le cœur. Et puis voilà, jouer avec un site comme ça, dans le plein air, dans le désert, c'est pas tous les jours. Et voilà, je vais surtout au nom du groupe remercier vraiment toute cette équipe-là. Merci beaucoup.